qui s'écroule. Oh mon Dieu! Ah, oh, tu penses ça à rien toi? De mal et. Salut Romain! Et comment ça tu vas? Débarque. Et ça voilà. Va? Écoute, super. Écoute, bien. Ouais. Il fait quel temps chez toi? Bah écoute, c'est un peu mitigé. On a des grands rayons de soleil qui arrivent, mais je pense qu'on va pas tarder à se prendre la sauce. Ouais. Bon. Alors, on va se dépêcher. On est parce que je crois que t'es pas waterproof. Non, ça toi. Va. Ouais, écoute, je suis pas en sucre non plus. Bon, alors, Romain, toi, tu es en Estrie, c'est ça? Exactement, tout à fait. En Estrie, donc, c'est une région du Québec. C'est au ouais, sud de Montréal. Hein. Dans les cantons de l'Est. Hein. Région donc là, exactement, même. Aujourd'hui, on est à Nord-Châtelet. Ok. Et tu vas on nous est au manoir Ovet. Donc, quoi bah, je vais vous faire visiter le manoir Ovet, qui est un très très bel établissement du Québec. Donc, on est côté 5 diamants. Okay. C'est par ici que je travaille. Moi, j'agis surtout sur la charcuterie ici. Regarde, je ne sais pas si je peux tourner la caméra avec ça. Non. Donc, regarde, on est hall de réception par ici. Ok. Donc là, en ce moment, on est dans une grosse période de travaux parce qu'on est en train de réaliser un spa, mais vraiment un spa de classe mondiale. Donc, c'est assez, c'est des très lourds travaux. Et bah, écoute, tout avance bien. On rentre dans la période estivale. Tu vois, là, je vais te faire rentrer dans les cuisines. Bah, j'ai même récupéré un petit truc que j'ai préparé juste pour nous. Ah, magnifique. Ah ouais. Le fameux Prescoff. Tu t'en rappelles de celui-là? Ouais. Là, tu vois, du coup, on vient de rentrer sur les jardins. Donc, tu vois, ça, c'est la partie en travaux. Donc, il y a un gros édifice qui va être mis en place. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le domaine. Très sympa. Je vais juste vous montrer le petit tour sur le lac quand même, parce que bon, c'est quand même le petit pic qu'il y a à voir. Regarde ça. Ah, regarde-moi ça. Ah, comme une frime. Oh, wow. Bon, alors, moi, mes dates, c'est du... je suis disponible quand T'as juste à toquer, tu seras bien reçu. Oui, je sais bien, je sais bien. Donc, dis-nous ce que toi, tu fais là-bas au Québec. Parce que tu parlais de charcuterie, mais qu'est-ce que tu fais de particulier? Alors, ce que je fais de particulier, c'est qu'en fait, bah, j'ai intégré le manoir Ovet, ça va bientôt faire un an. Donc, j'ai été recruté. Et à la base, j'étais venu ici pour m'installer, pour ouvrir un restaurant. Et en fin de compte, la charcuterie que je produis depuis quelques années a trouvé son public. Et c'est quelque chose qui se fait assez rare au Québec. Donc, il est assez compliqué à trouver pour trouver de la bonne charcuterie. Du coup, j'ai lancé ma petite société à côté. Et j'ai lancé le pôle charcuterie, j'ai démarré un pôle charcuterie au manoir. Donc là, actuellement, sur le restaurant qu'on appelle le Tap Room, qui est un restaurant bistrot, actuellement, on tourne à 100% de charcuterie maison. Ok. Voilà, donc on travaille les ports du Québec, donc des très beaux cochons. Et on arrive à faire des très, très jolis produits avec ça. Et du coup, tu ramènes ton savoir-faire alsacien. Exactement. À travers les produits du Québec. Québec, exactement. C'est une combinaison d'un savoir-faire et de beaux produits. Magnifique. Bon, mais écoute, ça nous met l'eau à la bouche. En tout cas, je vois qu'il fait beau. Tu as l'air en ouais, ça y est, tu vois. On a un grand soleil qui vient d'arriver là, tu vois. Bon, par ça contre, fait, ce qui manque. Alors, dis-moi. La prochaine fois, je veux des fagnons Alsace Fendet partout. Ouais, et regarde, j'ai quand même mis la veste. Je suis désolé, il y a le grand S dessus. Mais j'ai mis la veste des disciples d'Escoffier. Mais toi, tu veux qu'on ait des problèmes. Mais comment tu... Ah, c'est pas moi qui ai décidé voilà. De mettre grand test dessus. Tu viens de nous pourrir 12 heures de live. Donc, je suis non, désolé. Non, mais. C'est pas moi qui ai décidé de le mettre. Donc, moi, je veux l'année prochaine un grand bandeau Alsace Fendet. Ben, et je veux que tous les Alsaciens, on les fasse venir là-bas. Ah, voilà. Il allait réagir et ça a coupé. Non, il est là.
Bon, l'année prochaine, on fête l'Alsace Fan Day chez toi, là, au domaine. Bah, avec grand plaisir. On ramène du monde. On vous recevra avec grand plaisir. On fait une grosse fête chez toi. En plus, l'année prochaine, il y aura vraiment tout qui sera en place. Vous voyez, on a la piscine à débordement qui est en construction ici. Donc, elle sera une belle piscine à débordement, celui qui donnera sur le lac. Superbe. Donc, on aura vraiment des... Tu sauras nous recevoir l'année prochaine. Il y a de fortes chances, oui. Super. Merci, Romain. Ben, merci à toi, Mickaël. Passe encore une bonne après-midi. Merci d'avoir pris du temps. Je sais que tu as beaucoup de travail encore. T'inquiète, tout va bien. Cuisine. Je t'embrasse. Moi aussi, allez, salut. Bonne soirée, ciao. Bye. Salut, bisous, mes Alsaciens.